savoir. Le triple et le quadrat. Prends le temps d'Ice Mon Gips. Que personne ne tue. Le Ace Mon Gips, mesdames et messieurs. Le Ace Julien Dupré. La signification de mandatory, ça veut dire quoi? Bah c'est un mot en anglais, hein. Ça veut dire pour les Québécois mandatoire. Et pour les Français, ça se traduirait plus par obligatoire. Genre c'est obligatoire de regarder les streams. Je vous cache pas que c'est quand même une grosse équipe en face, mais on va faire notre maximum, ça démarre OMG! Le spike? On a posé le spike! Attendez, stop! OMG, on est entré! Aucun mort, spike posé! La situation est très bonne pour l'équipe de mandatory, mesdames et messieurs! Ça commence à entrer pour le retake! C'est parti pour 2 kills! 3 kills, 4 kills! On s'est fait massacrer! Il en reste un dernier, c'est créé, il est tout seul. On s'est fait massacrer sur le premier round. Rien n'est fait, rien n'est joué. 3-0 pour l'instant, voilà, ça dégage. Sur le B, il peut défendre un petit peu tout seul. Sur la longue, créé, il fait le deuxième kill. Là, il est très bien placé, il est très bien placé, Enko, mais il a été vu. Très bien joué de la part de Hopi qui est revenge. On est en situation de 3 contre 2, 2 personnes sur ça. Très beau kill de créa. La balle d'opérateur qui ne passe pas, on va quand même essayer de le trade, c'est bien, parce que de toute façon, il n'ira pas chercher ça. Mesdames et messieurs, c'est le premier round pour Mandatory. Est-ce qu'on peut essayer de tuer ce sniper? Dommage. C'est un premier round pour Mandatory, un round qui permet de respirer, un round qui permet d'avancer, mesdames et messieurs. Ouais, voilà, elle a été sound qu'elle faisait le tour, du coup l'info a été donnée pour Apo. Apo qui fait le kill. Ça c'est très bon, situation de 3 contre 3, mais on a les infos quasiment sur tout le monde. Chips. C'était Hip, pardon. Hip qui est monté, qui a fait le kill, ça a fait du 1 pour 1. Allez, on est sur site, on va pouvoir poser le spike. On a un qui passe à droite. Très très bon kill de la part de Créa. Et le double top pour éviter la flash. Et le deuxième kill. Ok, maintenant, ça c'est bien joué. On a vu la recon, le double kill. On a empêché d'entrer tout le monde. Au pied, Yves qui font un travail exceptionnel sur ce B, mesdames et messieurs. OG qui a été pulvérisé sur les tri. Et maintenant, il en reste deux. Et là, le petit caviar, ce serait de faire un petit flawless, c'est-à-dire de ne perdre absolument aucune arme. S'ils perdent le round, j'arrête l'e-sport. Et voilà. Une seule balle dans la gueule. L'adage. Et là, il faut absolument jouer quand c'est cette jet. Il faut cancel cette jet, elle est là, elle est là. Bien joué, tu l'as eu. Ok, situation d'un V2, c'est faisable. Difficile, mais faisable. Ils sont donc forcément derrière le... Dommage, les gars. C'était le premier match de notre équipe pro, mesdames et messieurs. Il y en a un deuxième qui arrive tout de suite. Nous allons jouer sur Haven, la deuxième map. Nous pouvons avoir soit un partout, soit 2-0 pour l'équipe OG. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mandatory ne gagnera pas sa première rencontre. Elle peut aller au mieux accrocher l'égalité, bien sûr. C'est parti. Juste en bas, flash pas. Mais non, il s'est passé ça. Il a cancel la roue. Il s'est passé un truc incroyable, mais j'ai pas le temps d'expliquer. Dommage, Gips, Apo. Gips et Apo qui ont fait une entrée absolument sensationnelle. Il ne reste plus que personne du tout. Malgré une recon de sauvage qui avait été cancel. On a réussi à l'avoir. Le cancel de Gips ici. Le double kill de Gips qui est dans le garage tout seul. Le triple et le quadrat. Le quadrat de Gips. Peut-être l'ace. Le ace de Gips. Laissez-lui, laissez-lui. Que personne ne tue. Le ace de Gips, mesdames et messieurs. Et Gips, ma gueule. Il va aller se faire voir en A là. Oh, il a pas eu l'info qui a été donné. Erreur de code de la part de OG, très bon kill de la part de OP, double kill de la part de l'équipe OG sur OP et Gips. Mais il y en avait la troisième. Et ça, c'était le coup de génie de la part de Mandatory d'avoir trois personnes sur la longue sans avoir l'info. Mais il y avait Jet qui était déjà passé. 1v2. C'est compliqué. Il y a l'info, ils sont deux. Plus que 30 secondes. Du coup, elle va courir en A. Elle prend une arme. Alors là, deux choix pour la Jet. Soit elle court pour planter, ce qui sera assez logique parce que ça donne de l'argent à l'équipe. Soit elle peut les attendre et tout, est-ce qu'elle va fake plant? Elle est quasiment obligée de planter, parce que 1v2 c'est dur. Ok. Oh! Belle grenade de hit. Monsieur le capitaine! Monsieur le capitaine! On a quelqu'un dans la smoke ici, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Un, deux, oui, les deux, les trois! Hopi qui a fait un travail exceptionnel en tirant relativement late pour que les adversaires ne s'en aperçoivent qu'au dernier moment. Il s'est fait avoir par la rose, c'est normal. La reco. Oh, Gips pour l'ultimate dans le garage. Il va tirer peut-être blind. Non, il tire pas. C'est un malade. Oh, il est à gauche, il va se faire avoir par la gauche. Oh, il a été revenge par son pote et il a eu à l'ulti quelqu'un d'autre. Incroyable, Gips, quel travail d'équipe de fou. Alors que l'autre a raté son kill de dos, c'est normal, c'est l'équipe les plus en valorant, c'est toi. T'es au middle, tu vas te faire timing. Dégage. Et voilà, ils ont compris. Et ils sont en train de rotate avec les Mandatory. Parfait, parfait les gars, parfait les gars. OMG, OMG. Voilà. Let's go. 3 petits kills dans leur gueule. Il est garage, c'est forcément. Il est forcément là, il est forcément là. L'empêcher de planter. Voilà, petite grenade de race.
Bah c'est gagné mais dans la douleur. Appelle Dane. Ah il le tue pas, dommage. Mais il est encore short et il a pris la sauce, il a un HP. Fortune qui a fait le kill, double kill sur le side. Troisième kill. Troisième kill. Il faut res hip. Parce qu'on peut ressusciter Kayo s'il est par terre. Situation 3 contre 1. C'est imperdable. Ah commencez pas à faire chier hein. C'est imperdable j'ai dit. Valant vocal avec Hip, qui va nous rejoindre. Comme je l'ai dit dans mon tweet, quoi, il y a beaucoup de choses positives à tirer de ce match. Même si on est tous dégoûtés, et je pense que tout le monde va faire ouais, normal. Déco du PC et tout, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme tu dis, c'est de l'expérience et c'est des bonnes leçons à prendre aussi. Enfin, on va apprendre quoi qu'il arrive normalement de ce match, et on a déjà beaucoup appris. Moi, je me suis régalé. Est-ce que ça vous a plu? J'espère que ça vous a plu. Cette game, elle prouve qu'il y a du travail. Il y a du travail à faire chez Mandatory. Mais clairement on est là.